Voici un film singulier, dur et pourtant traversé d'une étrange douceur qui vous habite longtemps encore après sa vision. Le Refuge raconte l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve enceinte et pour qui la grossesse est plus un moyen de garder un lien avec son compagnon mort d'une overdose et de se réconcilier avec elle-même qu'une opportunité de donner la vie. Dans cette reconquête d'elle-même, elle va être accompagnée, presque malgré elle, en tout cas au début, par le frère homosexuel de son compagnon, lui-même cherchant à combler le manque qu'a créé cette disparition, lui-même à la recherche de son identité. Contre toute prévision, ces deux enfants perdus, réfugiés dans une maison isolée au bord de l'océan, vont devenir adultes, chacun grâce à l'autre. Une fois encore, François Ozon prend les idées reçues à contre-courant, bousculant les notions convenues sur la grossesse, sur l'instinct maternel, sur le couple, sur la famille. Une fois encore, même s'il creuse toujours un peu le même sillon, l'absence, le besoin de trouver sa place, le désir, il crée la surprise jusqu'à la toute dernière scène. Son talent, c'est de le faire comme si de rien n'était, avec un naturel, une simplicité et une fluidité qui renforcent l'impact et la singularité du film. Une fois encore, le metteur en scène de Sous le sable et de Huit femmes montre que non seulement il sait écrire et filmer loin des conventions de beaux personnages de femmes, mais aussi qu'il n'a pas son pareil pour mettre en lumière, et souvent sous un jour différent, des actrices déjà réputées pourtant pour leur talent. Cette fois, c'est une Isabelle Carré inattendue qu'il révèle. L'actrice, qui était enceinte de plus de 6 mois au moment du tournage et a donc accepté que sa grossesse joue dans le film et nourrisse forcément la vérité de cette histoire qui, du coup, n'en est que plus troublante, compose un personnage loin d'elle et de son image de jeune fille limpide. Sans effet, avec un beau mélange d'abandon et de détermination, elle trouve ici un de ses plus beaux rôles, son premier rôle de femme. Face à elle, en plus de Melville Poupeau, déjà héros du temps qui reste de François Ozon, qui fait ici une brève mais forte apparition, un débutant, le chanteur Louis Ronan Choisy, qui a d'ailleurs composé musique et chansons pour le film. Sa beauté, sa sensibilité évidente, sa douce réserve sont pour beaucoup aussi dans la lumière que dégage cet étrange voyage que je vous recommande vivement.